Bonjour mes belles âmes et bienvenue pour la pause café d'aujourd'hui avec l'oracle, l'énergie des anges et des cristaux. J'espère que vous allez bien. La carte qui est sortie pour aujourd'hui est l'ange Caliel et le jaspe polychrome, le jeu sacré. Nous vous offrons le jeu sacré. Nous entrons dans votre cœur pour vous offrir la joie et la capacité à rire, à vous amuser, à voir la vie sous son bon côté et à vous régaler du spectacle. Il suffit de savoir où regarder pour entrevoir la patte du Créateur sur les lieux, les gens et les choses que l'on croise chaque jour. Vous découvrirez à quel point le Créateur s'amuse et votre âme s'emplira d'éclats de rire. Vous vous sentirez plus proche de l'univers car vous comprendrez que même sous ses aspects les plus sombres et les plus mystérieux, la vie a quelque chose de fantastique, une beauté originale et délicieuse teintée de sens de l'humour. Nous savons qu'une grande joie vous habite et nous allons vous aider à la retrouver afin que les épreuves les plus pénibles ne vous empêchent pas de profiter de la lumière et votre esprit et des plaisirs de la vie. Il faut du courage pour explorer ce qui se passe au fond de soi, pour accepter sa douleur et infuser de l'amour à ses blessures, pour se laisser porter par un courant en portant avec lui les vestiges du passé, de la maturité aussi, pour vivre vraiment, pour voir plus loin que la surface des choses et pour ne pas renoncer face aux difficultés. Pour progresser sur le chemin de la spiritualité, vous aurez besoin de libérer l'amour des ténèbres et de forcer celle-ci à s'ouvrir à la lumière. Ce processus de guérison vous apportera sans doute énormément de joie, même s'il n'est pas forcément des plus faciles à endurer sur le moment. Il vous faudra également de la discipline pour ne pas laisser s'éteindre votre lumière spirituelle, celle qui consiste à travailler sur soi, à méditer, à étudier, à cultiver sa conscience, à grandir, à s'élever, et à s'éveiller alors qu'il est tellement plus facile de se rendormir, de porter des jugements, de douter et de tout remettre à demain. Vous aurez besoin de beaucoup de force intérieure. À certains moments, vous aurez l'impression de courir un marathon, vous obligeant à dépasser vos limites physiques, émotionnelles et psychologique. Ironie de la chose, vous finirez par avoir du mal à trouver l'énergie de jouer. Épuisé, fatigué d'avoir travaillé si dur à progresser sur le plan personnel, vous aurez peut-être honte de ne pas avoir la force de rire et de vous réjouir de tout ce qui est. Ne cédez pas à la culpabilité. Cet oracle n'a aucune intention dans ce sens. Il s'agit plutôt d'une offre de paix de la part de l'univers. Le divin vous tend la main. Vous vous êtes donné tant de mal. Quelqu'un frappe à votre porte. C'est l'univers
sous l'apparence de ce petit garçon curieux et gentil qui vit dans votre quartier. Il vous propose de venir jouer dehors avec lui. Le soleil se couche sur ce qui n'est plus. Et une nouvelle vie, de nouvelles amitiés se profilent à l'horizon. Des perspectives de jeu, d'énergie, d'aventure et de joie partagées s'offrent à vous. Vous en avez besoin et vous les méritez. Il est temps que votre cœur soit inondé de lumière et que s'effacent les ombres du passé. Le jeu sacré varie d'un jour à l'autre et il peut consister en une foule de choses différentes. Un coloriage, pourquoi pas, avec des couleurs originales et en dépassant des lignes. Un petit tour au parc où vous constaterez à quel point le Créateur s'amuse en inventant des chiens de toutes sortes, plus drôles les uns que les autres, caniches, teckels, bichons, quelques pas de danse chez soi, sur la plage ou avec des amis, une promenade en forêt, un jeu avec des enfants, un film qui se termine bien, un petit récital personnel sous la douche, un faux concert de rock avec une brosse à cheveux pour micro. Ce qui rend le jeu sacré est le fait d'y être présent et de le laisser vous guérir, vous distraire et vous remonter le moral. Le chemin de la spiritualité est fait, comme il se doit, de beaucoup de sérieux et de discipline. Toutefois, y incorporer du jeu sacré et un peu de joie vous aidera à surmonter les moments difficiles. Votre aptitude à profiter de la vie augmentera à l'allégresse de votre cœur, rendra le reste du monde plus léger. Petit rituel de guérison. Je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. J'en appelle à l'ange de cristal du jaspe polychrome et à l'ange Caliel, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder le jeu sacré. Je rends hommage à l'investissement, et à la discipline dont je sais faire preuve. J'ai besoin de les contrebalancer par de la liberté, de la spontanéité et de la joie. J'ouvre mon cœur à la lumière et la transmets au reste du monde par mon rire, par ma volonté, et qu'il en soit ainsi. Belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse.